Bon, bonjour tout le monde. C'est la première vidéo que je poste, alors je sais pas, elle risque de pas être parfaite, on verra ça. Ces vidéos, je les fais pour me motiver un petit peu. J'ai laissé tomber le dessin depuis longtemps. Il est temps d'y remettre, je pense. Le travail, tout ça. Donc du coup, je pense que faire une vidéo par semaine, donc du coup un dessin ou une illustration, une peinture par semaine, ce sera bien, je pense que. C'est une bonne manière de se motiver. Du coup, là, j'ai commencé plutôt en douceur. C'est le premier dessin que je fais depuis, je sais pas, peut-être 1 an et demi, peut-être, quelque chose comme ça. La dernière fois, c'était au Vietnam. C'était il y a longtemps, vraiment longtemps. Je posterai, je pense, le dessin, peut-être sur mon Instagram, ou quelque chose comme ça, de celui que j'avais fait au Vietnam. Celui-là, j'ai commencé tranquillement, c'est sur un canson, mi-teinte. Le but, c'était juste de faire un portrait, tout ce qu'il y a de plus simple, au graphite, au charbon blanc. Et j'ai même utilisé à la fin un petit peu d'encre de chine diluée avec de l'eau pour un peu assombrir, donner une teinte un peu plus homogène aux cheveux. Le dessin n'est pas parfait, absolument pas parfait. Enfin, le dessin en lui-même est ok, mais là, niveau finition, c'est pas parfait. C'est un premier dessin, mais je me suis dit, en fait, la démarche, c'était de recommencer tranquillement, de poster également les dessins toutes les semaines qui n'étaient pas parfaits. Je pense que ça peut être intéressant déjà pour moi. Ça me permet de voir qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne le fais pas. Et je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui dessinent, qui se mettent au dessin, qui se remettent au dessin, de voir un petit peu bah, quelqu'un faire des erreurs. Parce que si on cherche sur Internet ce genre de vidéos, finalement, eh ben, on voit que des gens qui dessinent parfaitement. Alors, faut pas croire que les gens dessinent tout le temps bien, non, c'est juste qu'ils postent les vidéos des dessins qu'ils ont réussi, et puis c'est tout. Mais je pense qu'en fait, une vidéo de quelqu'un qui reprend comme moi, je sais dessiner, j'ai passé toutes mes études à apprendre à dessiner et à peindre. J'ai fait des études d'art, j'ai fait 7 ans d'études d'art en tout, dont 2 ans d'art architectural, donc c'est un peu différent. Mais les 5 années qui ont suivi, j'ai appris à dessiner et à peindre. Donc j'ai de bonnes bases, mais je ne pratique pas assez. J'ai un vrai problème à ce niveau-là, j'ai du mal à me motiver. Je pratique pas assez, du coup j'ai pas mal perdu. Bah, je m'en rends bien compte avec ce dessin, il n'est pas parfait encore une fois. Mais je pense que c'est plus intéressant pour une. Sauf pour ceux qui veulent juste voir un joli dessin se faire de manière parfaite, sans aucun accroche, ouais. C'est peut-être pas la vidéo idéale, mais cette vidéo peut être intéressante pour les gens qui apprennent le dessin, qui veulent apprendre le dessin. Voilà, parce qu'on peut voir les éventuels petits problèmes que l'on peut rencontrer. Et même pour moi, en fait, avant de faire cette vidéo, je m'étais jamais regardé dessiner. Je n'avais jamais vu ne serait-ce que de photos de moi dessiner, mais encore moins de vidéos. En fait, c'était très intéressant parce que ça permet d'analyser vraiment les erreurs, les pertes de temps, parce qu'on perd beaucoup de temps sur ce type de dessin. Il y a des fois où on se retrouve à gribouiller un petit peu pendant longtemps sur des détails qui n'ont en fait pas beaucoup d'importance. Ouais, voilà, là vous voyez, je suis sur les yeux. Par exemple, les yeux, j'ai passé trop de temps au départ, je trouve. C'est pas important. Les profs que j'avais avaient tendance à dire que les détails c'était vraiment à la fin pour se faire plaisir, et je pense que c'est vrai. Je pense que les détails ça doit se faire vraiment en toute fin du dessin, les accents de lumière, tout ça. C'est difficile de ne pas les faire dès le début parce que ça habille le dessin vraiment, ça donne ce côté vivant au dessin. Par exemple, le top, c'est quand même de faire un dessin d'un portrait, par exemple, un personnage, et au dernier moment, on fait les accents sur les yeux, les accents de lumière sur les yeux, les reflets. Et tout d'un coup, le personnage prend vie, il est vivant. C'est quelque chose de vraiment très intéressant à faire, mais c'est dur de se retenir de faire ces accents, que
que ce soit sur les yeux, sur le nez, les joues également. Partout où il y a des accents de lumière, c'est très dur de se retenir parce que tant qu'on ne le fait pas, le dessin paraît un peu fade. Donc je pense que c'est important de le faire à la fin parce que ça perturbe l'œil, je pense. Voilà, là par exemple, je fais des accents, je pense que je les ai fait un petit peu tôt. Alors, j'utilise des crayons à estampe, vous connaissez sûrement, hein, c'est des crayons de papier roulé. Ça permet d'estomper un petit peu les valeurs. En général, j'utilise pas ça, mais je sais pas, pour ce dessin-là, pour recommencer, j'ai perdu mes habitudes de dessinateur. Et je les ai ressortis, je les ai utilisés. D'habitude, j'utilisais toujours des chiffons ou des pinceaux. Principalement des pinceaux. Mais là, j'ai un peu perdu mes habitudes, donc je redécouvre un petit peu les outils. Finalement, ça m'a bien servi. Donc je pense que ça, c'est qu'une histoire de goût, de préférence, d'habitude. Alors le but pour cette chaîne, parce que j'ai un petit peu parlé de la chaîne, j'ai créé cette chaîne il y a un bout de temps, je sais même plus quand. J'ai un peu laissé tomber tous mes loisirs, etc. au profit déjà du travail. Je suis vidéaste, je fais des vidéos pour les entreprises, etc. J'ai laissé tomber, enfin, à peu de choses près, j'ai laissé tomber le dessin, j'ai laissé tomber le jeu vidéo également, je jouais beaucoup avant, j'adorais ça vraiment. Et j'ai totalement laissé tomber ça. Et là, disons que j'ai une période assez nouvelle dans ma vie, j'ai une nouvelle habitation, je me suis marié, etc. Je pense que c'est le bon moment pour reprendre un peu ce que je faisais. Je suis assez posé en ce moment, je suis assez bien, donc du coup je reprends le dessin, je reprends tout, je reprends la musique, je me suis même racheté une console. voilà, je pense qu'il est temps de se remettre tranquillement, là peut-être moins stressé qu'à une période, ça... Donc du coup la chaîne sera absolument pas uniquement du dessin. Je vais essayer de faire un dessin, une illustration, une peinture ou quelque chose dans le genre par semaine, je vais essayer. Je sais pas si je vais m'y tenir, je vais essayer. Le fait de faire une vidéo, je pense que ça va vraiment me motiver pour continuer le dessin, la peinture, etc. Je vais vraiment essayer, mais j'aimerais faire aussi... je travaille le bois, alors j'aimerais faire également des vidéos de bois. Où je fabrique... j'ai une petite affaire de haut-parleurs et d'ampli hi-fi, haut de gamme, fait main, en bois. J'aimerais bien faire des vidéos de fabrication de mes produits, qui sont faits 100% main, vraiment de manière artisanale. Enfin, 100% main. J'utilise des machines, hein, mais je les fais moi-même et moi tout seul. Donc je pense que je vais faire des vidéos de ça également. Mais également des vidéos dans le domaine du jeu vidéo plus classique, on va dire, de ce qu'on peut trouver sur internet. Mais c'est pareil, moi j'ai arrêté le jeu vidéo il y a un bout de temps. J'ai complètement... Je suis joueur PC hein, à l'origine, mais j'ai eu à peu près toutes les consoles à leur sortie jusqu'à la 360. J'ai pas eu de Xbox One, j'ai pas eu de PS4. Je m'en suis acheté une PS4. Je trouve que c'était plus intéressant. En ce moment, en tout cas, avec les exclusivités. On verra avec la sortie d'Ars Scorpio. Mais j'aimerais faire également des vidéos de gaming, peut-être un peu de live, Twitch ou YouTube, j'en sais rien du tout, je suis pas encore décidé. Enfin, j'aimerais faire une chaîne, alors c'est pas le plus vendeur, une chaîne aussi polyvalente, avec plein de trucs, c'est pas du tout le plus vendeur, mais bon, c'est pour le plaisir que je vais la faire, c'est pour me motiver à me remettre un peu à jouer, à dessiner, continuer de faire mes haut-parleurs fait main, voilà. C'est vraiment pour me motiver à reprendre un peu toutes mes activités, ça fera probablement pas beaucoup de vues, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas important. Si, c'est un peu important, ça motive quand il y a plus de vues, quand il y a quelques j'aime. Pause bleu, c'est toujours plus intéressant, mais c'est pas le but premier. Je pense que le public des dessins sera pas forcément le même que le public du gaming, par exemple.
verra, enfin remarque moi, je regarde des vidéos de gaming tout autant que des vidéos de dessin, donc je suis peut-être pas le seul, hein, j'espère pas. Pour revenir au dessin, là je suis sur les cheveux, le visage tout s'est bien passé, hein, je vais être sincère. Les cheveux en fait j'ai fait une erreur, je m'en suis rendu compte assez rapidement. C'est que j'ai voulu les faire trop sombres, trop vite. C'est une erreur. Ça sature le papier. Alors j'utilise des Staedtler qui sont relativement noirs, qui brillent peu. Ils sont coupés au charbon. Quand ils sont très gras, ils sont coupés au charbon. Ce qui les rend moins brillants et ils saturent moins le papier. Il n'empêche que j'ai saturé le papier un peu trop vite. Ce qui a rendu un petit peu difficile le travail des cheveux. Finalement, c'est la seule chose qui m'a posé problème dans le dessin. Le reste, s'est très bien passé finalement. Et relativement rapidement, finalement. Je suis un peu lent à dessiner, spécialement là. C'est vraiment une remise à zéro. Faut pas déconner, je repars pas de zéro. Mais disons que j'ai pas dessiné depuis un ou deux ans. Je redécouvre, mais il faut que je reprenne mes marques. Donc c'était plus long que prévu, je pense que j'ai dû passer environ 4 heures dessus, je pense. Mais tout s'est plutôt bien passé. Les cheveux, je suis pas ravi, ça va. Je vais être sincère, ça rend mieux, tout le monde dit ça, mais pour le coup, moi j'ai souvent cette impression, ça rend vraiment mieux en vrai plutôt qu'en vidéo ou en photo, vraiment. C'est pas l'idéal pour les cheveux, je le sais, c'est vraiment pas l'idéal, vous verrez bien au final. J'ai rattrapé comme je pouvais, ce sera mieux la prochaine fois parce que je comprends complètement les erreurs que j'ai fait. J'ai vraiment été trop pressé d'assombrir. J'ai saturé le papier trop vite. C'est une erreur. Un peu trop impatient, je pense que j'ai un peu perdu cette habitude. Cette habitude d'être très patient, simplement. Parce que ça demande une patience énorme. Et j'ai un peu perdu ça. Un peu perdu cette habitude. Voilà, là je rajoute l'encre de Chine diluée. Je vais dire, c'est en D6 Deco, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc j'ai assombri avec l'encre de Chine. Ça n'a pas gâché le dessin, du tout. Pour être sincère, sur l'original, ça se voit pas du tout. On voit pas que j'ai rajouté de l'encre de Chine diluée. Pas du tout, du tout. Donc du coup, c'est moins grave que prévu. Le prochain sera probablement mieux, j'espère. Les marques sont revenues. Voilà, c'est plus agréable qu'au tout départ du dessin. Au tout départ du dessin, j'étais vraiment pas à l'aise. Vraiment, vraiment pas à l'aise. Pour la photo, je suis pas encore bien installé. Mon appartement, tout ça, je suis pas encore super bien installé. J'ai même pas d'appareil photo correct sous la main. La photo sera pas super pour la photo du final. Ce sera mieux la prochaine fois également. Je ramènerai l'un de mes appareils photo de mon ancienne habitation. Bon, ben, je crois que je vais vous laisser terminer la vidéo tranquille. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Je dis oui à tous les commentaires. N'importe lesquels, même critique. Vous pouvez vous abonner. C'est la première vidéo, donc c'est peut-être un peu tôt, mais vous pouvez. Parce qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Je suis motivé, donc voilà. Vous pouvez vous abonner, ce serait avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage.